Activation. Dr. Young dirigeait un projet, un gros, financé par des fonds externes. Voici ses dernières notes. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait qu'elle faisait des tests sur les patients d'Arkham. Ce nouveau produit chimique ressemble à peine au venin d'origine. Un certain nombre de changements amplifient la force de la drogue. Il y a de nombreuses références à une formule titan. Même en petite quantité, elle pourrait déclencher une transformation chez l'hôte, et les réservoirs requis par Bane ne seraient plus utiles. Attendez, ces notes sont incomplètes. Il manque la formule. Ça doit être le secret que le Dr. Young veut cacher. Si le Joker met la main dessus, il créera une armée de 1000 Bane. Bon sang. Le Joker est assez fou pour faire ça. Évidemment, oui. Il faut l'arrêter. Je vais la chercher. Elle allait au manoir avec Cash. Je passe par les catacombes. Désolé, patron. Ça, ça a été plus long de le trouver que vous ne le pensiez. Oh, pardon! J'essaierai d'être plus précis la prochaine fois que je m'approprierai une île. Hey, je voulais pas... J'accepte les critiques, hein? Je ne suis pas parfait. Enfin, en y réfléchissant, je suis presque parfait. Pas vrai? Où en étais-je? Ah oui! Tu me critiquais, sale vermine. Le vermine qui n'est libre que parce que j'ai fait ouvrir sa cellule. C'est une chose que je ne tolérerai pas! Désolé, patron, je voulais pas dire ça. Pitié! Oh, comme tu me sembles sincère, j'enverrai simplement quelqu'un casser les jambes de ta femme. Mais Joker! Ma générosité te pose un problème. Non, pas du tout. Merci. Je t'en prie, le sujet est clos. Je t'ai déjà raconté la blague du type qui rentre chez lui et se rend compte que sa femme est paraplégique. Oh. Il y a un problème avec ce truc. Tu m'entends? Tu veux que je vienne te nettoyer les oreilles ou quoi? J'ai une méthode d'enfer. C'est mortel! Pourquoi est-ce que c'est à nous d'ouvrir ça? C'est pas la porte principale. Tiens-nous au sol, Nick!
entends ça, détective? C'est moi qui applaudis à ton succès. Oh, tu n'entends pas? C'est parce qu'un idiot aurait trouvé ce trophée. Il est déjà là? Hé, hey, vous vous fichez de moi? Cette chose n'est pas un homme. Bon sang! Bonjour, je suis le docteur Gretchen Whistler. Vous me comprenez? Ouais, je t'ai entendu, sale garce. Quand est-ce qu'on dîne, j'ai faim. Il est déjà là? Hé, hey, vous vous fichez de moi? Cette chose n'est pas un homme. Bon sang! Bonjour, je suis le docteur Gretchen Whistler. Vous me comprenez? Ouais, je t'ai entendu, sale garce. Et je détruirai. Je me suis renseignée sur le Dr Young. Ses relevés bancaires indiquent plusieurs paiements reçus depuis avril dernier jusqu'à il y a 2 mois. Puis, plus rien. Les paiements provenaient d'une société dirigée par un certain Jack White. Un des anciens surnoms du Joker. Il paie donc le Dr Young pour créer son armée, et puis soudain, il arrête. Ça n'a aucun sens. C'est bizarre. Les virements sur le compte du Dr Young ne se sont pas arrêtés. Ils ont été refusés. Le docteur a bloqué son compte. On dirait qu'elle a changé d'avis. Elle a tenté de bloquer les paiements. Le Joker n'aime pas que ses partenaires l'abandonnent. Alors, il a décidé de revenir à Arkham, de trouver la formule et de créer l'armée lui-même. Exactement. J'ai piraté sa messagerie. 2 emails sortent du lot. D'abord une lettre de démission de la semaine dernière. On dirait que Young a voulu fuir. Et le deuxième? Un message du Joker, enfin, de Jack White. Il est long. Il suffit d'arrêter l'expérience. Lui dit que c'est trop dangereux, qu'il ne l'écoute pas. Voyons, des menaces à sa famille, quelques blagues vaseuses, oh, la photo d'un bébé mort et une menace. Continuez. Il lui dit qu'il vient la chercher, qu'il veut ce qu'il a payé. Puis, une blague sur les chaises roulantes. Chapeau. Et le dessin d'Anan. Pas étonnant qu'elle soit terrifiée. Je remonte à la surface. Je la trouverai. Thank you.
patient enregistré numéro 2. Nom du patient, Willon Jones, alias Killer Croc. Est-ce que c'est la partie où tu essaies de me raisonner? Tu trouves pourquoi j'ai fait ça, Doc? Nous sommes là pour vous aider, Monsieur Jones. Alors, t'as un traitement pour moi, Doc? Tu peux me rendre normal? Normal est un mauvais choix de mots. Personne n'est vraiment normal, n'est-ce pas? Si tu le dis, alors qu'est-ce que tu dis de ça, Doc? Tu me laisses partir maintenant et je ne te mangerai pas. Vous ne mangez pas vraiment les gens. Ce n'est qu'une légende urbaine. Tu crois? Continue à le croire, Doc. On dirait que les malfrats du Black Gate ont accès à l'arsenal. C'est Batman! Tiens le coup, mon pote! Je vais t'écraser!
touché. Tu vas. Maintenant que je suis le directeur, j'aimerais avoir vos appréciations sur cet endroit. Je suis particulièrement fier du décor et j'espère qu'il vous aide à être plus productif dans notre tâche de prise de contrôle. Eh bien, qui voilà ? Ouais, le vilain Batman. Allez mon grand, viens nous chercher ! Ha, regarde-le, coincé là-bas ! T'as pas un chat à aller descendre d'un arbre? C'est ça. Continue. Allez, on contrôle tout. Le Joker va t'éliminer. Batman soit parti. Ouais, ce lâche est parti en boitant la cape entre les jambes. S'il essaie de revenir sans le suivre, il n'aura aucune chance.
Ouais, moi aussi. Je lui arracherai la tête et je l'offrirai au Joker comme presse-papier. Toujours aussi lèche-pote. Ça veut dire quoi, ça? Tu m'as entendu. Hein? La douleur et la souffrance qui s'insinuaient dans les veines de Gotham furent ressenties partout. Par mon père d'abord, touché par une terrible maladie. Ma mère survécut, mais dans son monde. Je rejoignis la maison familiale pour m'occuper d'elle, tandis qu'elle conservait le lit jusqu'à son dernier souffle. Ses pleurs me tenaient éveillé la nuit. Ici le Joker, avec des nouvelles pour vous. La bonne nouvelle d'abord. On a le docteur. La mauvaise nouvelle, elle ne parle pas. Elle a caché un document dans le manoir. Trouvez-le! J'ai quelques cités pour lui délier la langue. Mais, en attendant, fouillez bien partout. Une récompense attend celui qui le trouve. Je dois trouver ces notes avant le Joker. Allez, cherchez encore. Le Joker veut qu'on trouve ces notes. Regardez partout. Une récompense, hein. Dernière. Il est là! Il est là! Tu vas mourir! Ça va te calmer!
patient m'a été adressé après l'incident avec le docteur Murphy. Il semble avoir souffert d'une sorte de dépression. Je pense que c'est arrivé après la perte de sa femme et de son enfant. Jusqu'à présent, le patient a été incapable de parler. L'observation continue montre une faible activité mentale, comme si le choc de ce qu'il avait vu avait déclenché son effondrement mental. Il y a quelqu'un là-dedans! C'est lui! On l'a trouvé! Enfoncez la porte! Note à moi-même. Comme toujours, il est difficile de continuer mes recherches dans de telles conditions. Éloignez-vous du docteur Kant! Maintenant! Mettez-vous à terre! On les a trouvés! Appelez un médecin! Bon sang! Qu'est-ce qu'il lui a fait? Elle est passée où? Vous ne vous en sortirez jamais. Ah ouais? C'est la... À quoi sert ce collier? Pourquoi il fait ce bruit? C'est le collier suicide. Il est bizarre. Collier suicide? Ça porte un autre nom, mais on l'utilise pour surveiller le rythme cardiaque. S'il descend trop bas, l'alarme se déclenche et une équipe débarque. Tout comme mon équipe quand on la déclenche. Alors, ça te plaît, Batman? Est-ce que tu t'amuses dans... dans l'aile ouest? Il serait déjà là s'il n'avait pas à raisonner, ce cher Cash. Tu sais quoi? Je ne gâcherai pas la surprise en leur disant que tu arrives. Le Joker, c'est lui qui ne veut pas parler. Nous et cette garce. Parle, ou on te coupe l'autre main. Comme vous voudrez. Je ne dirai rien. Oh, que si. Harley Quinn sera bientôt ici. Elle trouvera des moyens de se dédier la langue. Et mieux vaut ne pas savoir comment elle s'y prend. On l'encercle.